Salut à tous, c'est Sherika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Spyro. On est en vol de cristal, c'est le troisième portail du troisième niveau. Franchement, ça va plutôt assez rapide, ils sont plutôt assez simples, assez rapides ces niveaux. Donc on n'a pas trop à se plaindre. Donc là je sais plus ce qu'il faut faire. Hein. Alors là je fais déjà le con. Allez, laisse-toi t'écraser. J'avais tous les avions devant moi et j'arrive à me les louper. Alors, le premier truc qui te met devant toi, c'est souvent ce que tu dois faire. Donc on fait ça. Comme d'hab. Voilà. On fera les avions par la suite. Là. J'ai perdu l'avion. On essaye quand même, mais bon, tu sais que ça passera pas. J'ai perdu l'avion. En fait, le premier avion que je pouvais avoir, je l'ai loupé. Donc c'est pas GG. Alors, on recommence. Donc j'ai toujours essayé d'avoir... essaie toujours de gagner du temps par rapport à la trajectoire. Merde, c'est pas là, c'est là. Voilà, les avions, ça va assez vite. Hein. Il faut que je fasse les coffres. Alors tu suis... En fait tu suis... J'ai remarqué que tu suis... la trajectoire. Et c'est bon. Par contre tu fais une erreur, c'est bon. Et voilà. J'en ai beaucoup moins chié. J'ai mis 4 ou 5 minutes grand max à la faire. Non. Putain, en fait je deviens bon moi. Je deviens bon. Non, sérieusement, ça fait plaisir. Une 14. En fait, c'est juste de la logique. Je me suis cassé la tête le niveau 1, le niveau 2. Et là, le niveau 3, j'ai l'impression qu'il est encore plus simple. Putain, il me reste encore la blinde de temps en plus. Donc, j'allais dire c'est la fin de la vidéo, mais je pense que je vais te mettre une autre aventure derrière. Parce que là, c'est vraiment un petit peu trop simple. Ouais, mais toi, tu commences, tu me rends en traite, espèce d'enculé, bon. Petite bite. Oh, toi tu m'énerves. Donc le prochain c'est Pic des Magiciens. Pic des Magiciens et le dernier du coup ça sera le... je sais plus. Le fanfaron et on aura fini le monde 3. Donc j'hésite à aller chercher des petits moutons. Il y en a pas en plus là. Non, il y en a pas. Bah tant pis. Donc voilà, on est parti pour le, je sais plus, le pic des magiciens. Je croise les doigts pour moi.
hein, franchement, là, je m'attendais pas à avancer autant dans ce niveau. Alors là, les gros, c'est avec les flammes et les autres, tu peux foncer dedans. Ah, pardon. Quand il tire de loin, lui. Et on peut pas viser. Non, on peut pas. Ce serait trop simple sinon. Par contre, eux, ils savent viser. Ramasser, il faut 500 diamants, 3 dragons. Ok. Voilà. Ça va très très vite, on perd pas de temps, on enchaîne, on est déjà 108, 108 diamants, en passant on s'en bat les couilles des diamants. Des magiciens, c'est mon endroit préféré pour la supercharge, utilise-la contre ces magiciens. Très bien chef, très bien. Pour un tour. Ça, c'est fait. Là, il y a encore une pente. Et deux d'un coup. Là, ça me paraît un petit peu quand même. Oh putain, je suis taré. Je me suis dit c'était pas possible, mais en fait si. Alors après, il faut aller par là-bas. T'es où toi? Toi tu me narres mais t'es à côté de moi. T'es où? Ben, j'ai pas fait exprès hein, mais... Ah lui faut le... franchement lui faut le voir. Ouais je reviens là-bas alors. Du coup je saute. Là, tu es déjà là-haut, d'accord. Bon, bah. Oh merde. Alors ça, ça s'appelle comment perdre de la vie, con. On était déjà là, tout à l'heure. C'est là où j'ai fait mon saut. Ah, les coffres, ça serait peut-être avec le... Merci de m'avoir libéré. J'ai une idée. Je dis pas que c'est la meilleure que j'ai eue, mais j'ai eu une idée quand même.
On va essayer d'exploser le coffre parce que là il n'y a plus de clés. Je sais pas si vous avez fait attention dans ce monde, il n'y a plus les clés. Ah bah c'était bon. Chichi avait raison. Donc là c'est pareil, il va y avoir une méga rampe, je pense. Ah non, faut que je vienne avec les langues que j'ai de là-bas. Ouais. C'est pas sûr que je vais y arriver. Ah, faut pas que je me loupe, faut pas que je me loupe. Oh putain, je l'ai fait. Oh putain. Ah, ça fait tellement plaisir quand tu arrives. Alors là, ils se sont cassés la tête à mettre des diamants là. Allez, viens ici, toi. C'est bon, on avance encore et toujours. Chichi devient bon, chichi devient bon, ça lui arrive. Alors, j'ai pas essayé de courir. Des fois, tu te dis, tu galères. Enfin, chichi galère tout seul, hein, même s'il n'y a pas de difficulté. D'accord, que je suis pas un PGM. Eh, ça fait deux fois là. J'ai juste à tirer droit. Tire droit. Droit. Là. Voilà. Ok. Cette caméra, c'est vraiment dur. Putain, il m'a... C'est la première fois qu'il m'a succombé. Non mais là t'es sérieux, il manque bien beaucoup de diamants là. Je dois en avoir 500. Ah j'ai eu les deux. Je suis qu'à 77. Ouais mais j'ai loupé un truc là, j'ai loupé un steak. Non? Bah apparemment non. Écoute bien Spiro. Il y a une zone secrète dans le monde des artisans près de la cascade. Essaye de sauter sur les pierres à cet endroit. Monde des artisans, cascade. C'est compris. Non, j'ai trouvé tous les dragons. Ok, c'est pas là. Ah, ils les ont bien cachés. Hein. Ils les ont bien cachés. C'est là-haut. Ah, j'y suis vraiment pas loin. Go. Ah, putain, j'y suis presque.
Est-ce que si je vais pas jusqu'en haut, ça marche aussi? Parce que là... Merde, j'étais trop proche. Hein. Ah là là, je vais les avoir. Hein. Pourquoi je tourne trop? J'ai sauté trop tôt. Je suis pas loin. Là, il faut plus tourner. Là, on va aller là. Ok. Ça me saoule. Et j'abandonne pour ce truc. J'arrive pas. Je suis pas loin, mais j'arrive pas. Je vais essayer une dernière fois, puis après j'arrête. C'est trop loin. Tu crois que je saurais faire ça, moi? J'ai pas tourné du bon côté. Oh, parce que là il faut sauter. Moi j'ai descendu. Thank you.
vais y arriver, je vais y arriver. Arriver jusque là. Et là seulement sauter. Je me casse la tête pour rien. Je me casse la tête pour rien. Là pour aller jusque là, ils sont vraiment tordus. Quoi? Oh non, oh non, c'était le dernier à buter. Putain, je l'avais. Bon, maintenant on sait ce qu'il reste à faire. Jusque-là. Il m'en manquait 10. Donc là, on va là. Là, on va aller jusqu'au bout. Hein. Sans tomber, bien sûr. Là, je dis sans tomber, je suis à deux doigts de me casser la gueule, comme d'hab. Alors, on va jusque la petite pointe. Et on saute jusque là-bas. Casta. C'est Casta. C'est là, il faut descendre. Là, on descend et on est quasiment jusqu'au bord. Non, je veux aller trop vite et je suis de la merde. Je veux aller trop vite et je fais de la merde. Fais de la merde. Je fais de la merde. Il tombe à cause d'une biquette.
j'ai failli tomber à cause d'une piquette. Une piquette. Une piquette. Allez, casse-toi. Je l'ai eu, je l'ai eu. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah, oui, je sais, moi, faut pas beaucoup pour être heureux dans cette vie. En même temps, la vie elle est dure. Ah, lui tout à l'heure, je l'ai eu. Je vais pas me recasser la tête. Là, il faut aller en bas. J'avais fini en plus là, je crois. Ouais, là c'est la maison. Yeah baby. Donc voilà, c'est la fin de cette aventure. On a fait, il nous restera un monde, un niveau à faire et on aura fini le monde 3. Donc ça va aller très vite. Hein. Je pense que en fait sur Spirou, je pense que je vais mettre les vidéos en affilée d'affilée. Ça sera à peu près une par jour, je pense. Donc parce que là ça va vraiment très vite à faire. J'aimerais bien entamer un autre un vrai let's play que moi je vais m'amuser à faire. Parce que là bah enfin je m'amuse mais ça va très très vite à faire. Et j'aimerais bien un petit peu de la difficulté. Donc il nous reste celui-là à faire. Merci Spiro, tu as retrouvé tant de nos œufs de dragon. Prêt, monte et en route pour non, le non, c'est le... d'animaux. Voudrais-tu y aller? Pas tout de suite, il m'en reste un à faire. T'es sérieux toi, espèce d'enculé, va? Tiens. Bah il m'en reste un à faire. Donc on se retrouvera l'épisode prochain sur Fanfaron. Donc moi je saute tout de suite, hein, je te le fais tout de suite. Mais on se retrouvera pour dans un autre épisode.